Machiavellian is Illuminati all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said he should send his one begotten son to lead the wild into the ways of the man. Follow me. Coach et Siro, est-ce qu'on pourrait tout d'abord avoir un état du groupe pour le match de demain, s'il vous plaît? C'est facile, c'est seulement Bresco, Kim Pembe, qui ne peut pas jouer, qui n'est pas disponible, et Eddie Cavani. Abdou, il est dans l'entraînement, Drax, il n'est pas suspendu, Ghana et Ander Herrera sont dans l'entraînement, et pour ça, ils sont disponibles, et on doit décider demain ou samedi matin. Toujours ici, coach. D'ailleurs, justement, sur quoi est axé le travail pour le match de demain? On sait que c'est le dernier match avant la trêve. Est-ce que le fait de garder les joueurs concentrés jusqu'au bout, c'était quelque chose d'important pour affronter Amiens? Oui, bien sûr, parce que Amiens est une équipe très forte. Il peut défendre très, très serré, très discipliné dans un 4-4-2. Ils sont très forts, très, très forts en défendre. Ils sont très forts avec le contre-attaque, des transitions offensives. C'est très dangereux et on doit jouer très attentif, très concentré. C'est une semaine très intensive pour nous parce qu'on a 3 matchs et tous les 3 jours, c'est seulement 2 jours entre les matchs. Ça veut dire pas de grand chose pour faire un entraînement. Mais nous sommes dans un bon moment. Tout le monde veut gagner parce que c'est important de gagner les derniers matchs. Nous sommes au parc et on veut gagner les derniers matchs. Mais comme je dis, ça va être difficile. Mais je suis convaincu que nous sommes prêts et l'équipe est prête pour cette dernière challenge. Bonjour Thomas, Nicolas Payard d'InfoSport Plus. C'est déjà l'heure des bilans. Quel bilan vous faites, vous, de votre année 2019 au Paris Saint-Germain? Et si vous devez vous donner une note de cette année, quelle est-elle? C'est le délan 2019. Je ne suis pas capable de faire ça. Ce n'est pas possible. Et je suis peut-être le what is the worst guy? The worst. So. Le pire, oui, le gars pire de parler de cette chose parce que je suis toujours dans le moment et je pense toujours en avant. Et quand quelqu'un demande moi de faire un bilan, c'est super difficile pour moi parce que j'ai oublié toutes les choses qu'on a fait. Et dans quelques instants, je regarde peut-être tout le but qu'on a fait et on a marqué. Et c'est vraiment pour moi comme, oh, on a fait un but, oh, voilà, c'était aussi une bien belle victoire. Oh, c'était vraiment impressionnant. Oh, c'était très important, là. C'est un peu comme ça. Mais nous sommes, qu'est-ce que je peux dire? Nous sommes premiers dans la Ligue des Champions. On a qualifié pour le 8e finale. On a fait une bonne phase de groupe. On a gagné le match dans la Coupe de la Ligue. Très sérieux, sans problème. Nous sommes premières dans les ligues. J'ai vraiment le sentiment qu'on a grandi. On joue comme une équipe. Nous sommes ensemble. Mais c'est l'impression aujourd'hui. Et c'est toujours le défi de travailler de cette chose et de garder cet état d'esprit. Et je suis pas confortable de parler ou de célébrer des choses qu'est-ce qu'on a fait. Je suis pas confortable des choses ça. Je veux toujours garder l'esprit de toujours améliorer. Et pour ça, je pense toujours de aujourd'hui et demain. Et pour ça, ouais. Peut-être tu dois ou vous devez demander quelqu'un d'autre de parler de cette chose. Bonjour Thomas, c'est aussi le dernier match avant les vacances. Vous avez indiqué que vos joueurs reprendraient le 2 janvier. Je voulais savoir un petit peu déjà si des joueurs avaient le droit de partir avant, les blessés notamment, ou s'ils restaient avec vous jusqu'au match, et savoir un petit peu, on sait que pour les joueurs c'est la course pour partir le plus tôt possible, etc. Et je voulais savoir si vous partiez directement en vacances aussi après le match. Après le match,
Yeah, oui, s'il veut, il peut. J'ai attendu une histoire drôle de, je pense, de Romario qui a sorti en Barcelone dans un match pour aller au Brésil. On ne va pas faire des choses comme ça. Non, tout le monde doit être là, ici, à Oredou demain, à 11h. Après, on choisit le groupe et c'est aussi, nous sommes ici pour faire un entraînement demain à 11h et aussi les joueurs blessés sont là pour traitement individuel et après, oui, on joue le match et après, il peut partir et voilà, on continue le deuxième. Ça donne tout le monde la possibilité de célébrer Noël et la nouvelle année avec des familles et pour lâcher un peu et pour reprendre le travail avec dans le meilleur état d'esprit. Le deuxième. Bonjour Thomas, Benjamin Quarez, Goal.com. On a bien compris que vous préfériez parler du futur que du passé, mais vous n'avez sûrement pas perdu la mémoire. Est-ce que vous pouvez nous donner votre meilleur et votre pire souvenir de l'année 2019 avec le Paris Saint-Germain? 2019? Ah, c'est facile. C'était le match, le deuxième match contre Manchester United. C'était le plus pire et il y a beaucoup de meilleurs moments parce que j'aime beaucoup de travailler ici et j'aime beaucoup mes joueurs et les groupes et j'aime beaucoup le staff, tout le monde qui est là. Je peux dire honnêtement que je profite bien et je suis très heureux d'arriver chaque jour ici, de travailler avec tout le monde. Et oui, j'ai l'impression que c'est un grand cadeau pour moi de vivre dans le foot et de vivre dans un club comme PSG, d'avoir la confiance. Et c'est la meilleure chose. Et oui, le plus pire, j'ai dit. Bonjour Thomas, Arnaud Herman, l'équipe. J'avais deux questions. Il y a votre collègue Rudy Garcia qui a dit qu'il y avait beaucoup trop de matchs. Il a parlé de cadence infernale pour les joueurs avec la multiplication des matchs. Est-ce que vous partagez oui, son avis? Et la deuxième chose, je crois que lors de cette première partie de saison, vous avez utilisé une trentaine de joueurs ou quasiment 30 joueurs. Oui, oui. C'est ça? Oui. C'est beaucoup. Est-ce que c'était volontaire ou c'est aussi les aléas de cette première partie de saison, les blessés, les suspendus? Oui, c'est comme ça. Beaucoup de joueurs blessés, beaucoup de joueurs aussi suspendus. Mais tous les gars qui ont joué, ils sont aussi méritiers. Nous sommes un grand groupe cette année. Et dans quelques matchs, c'était absolument nécessaire. Et j'ai l'impression qu'on a une bonne qualité dans les groupes. C'est possible que quelques joueurs manquent, aussi quelques joueurs clés manquent et on peut continuer de gagner. Mais comme j'ai dit beaucoup de fois, je pense vraiment qu'on joue trop. On joue trop avec 20 équipes dans le championnat, deux coupes, Ligue des Champions et des équipes nationales avec beaucoup de tournois maintenant, c'était des Copa América, c'est des Coupes Afrique maintenant, les championnats européens. Après, je pense qu'il veut créer un championnat de club, non? C'est beaucoup. Liverpool, ils ont joué dans les coupes et dans les demi-finales à Qatar entre deux jours, deux matchs. Ça veut dire il joue avec la deuxième équipe contre Aston Villa. Et je pense vraiment que les supporters de Aston Villa, ok, ils aiment qu'ils ont gagné, mais ils sont normalement dans le stade pour regarder un match contre Liverpool, contre Salah, contre Van Dijk, contre Mané. C'est aussi le jeu pour les supporters. Et on doit protéger les joueurs. Et si on veut regarder des matchs avec qualité et avec des joueurs qui ne sont pas blessés, on doit avoir la possibilité de gérer des minutes. Et pour moi, une grande occasion aussi, je dis ça pour quelques années maintenant, d'avoir plus de possibilités de changement entre un match. Pour moi, c'est absolument nécessaire de faire ça pour donner plusieurs minutes pour plusieurs joueurs
Et pour gérer 10 minutes, ça veut dire qu'on peut jouer plusieurs matchs, mais ce n'est pas comme ça. On a seulement 3 gares pour changer, mais c'est. Oui, c'est trop, et c'est trop pour les joueurs pour être dans la meilleure intensité, et dans le meilleur état d'esprit, d'être toujours avec le meilleur motivation. J'ai le même avis. Des changements? Non, pour moi c'est une solution facile. On reste avec 3 changements, mais je peux changer toujours deux joueurs. Ça veut dire, ce sont 6 joueurs pour jouer, ou j'accepte si c'est 2, 2 et 1, ça veut dire 5 joueurs pour changer. Parce qu'après ça, on peut changer plus, on peut laisser jouer 60 minutes, 70 minutes, mais plusieurs joueurs. Ça va aider beaucoup, et ça, c'est pour protéger des joueurs, des joueurs clés et des joueurs qui tout le monde veut attendre quand ils arrivent dans le stade. Et pour moi, ça va être beaucoup d'avantages aussi, pas seulement pour des équipes grandes. Quand j'étais entraîneur à Mayence, ça va être bien pour moi, si j'ai l'impression, la possibilité d'échanger plus. Mais ce sont des choses, on parle beaucoup de cette chose-là, mais on a beaucoup de matchs déchirés et des gars qui jouent pour l'équipe nationale, c'est vraiment beaucoup, beaucoup. Bonjour Thomas, Martin Bartoletti pour France Bleu Paris. Kylian Mbappé fête ses 21 ans aujourd'hui, il pourrait marquer son 40e but demain en 2019. Comment vous trouvez cette performance déjà sur cette année, et qu'est-ce que vous lui souhaitez pour l'année à venir? Qu'il reste sans blessure, c'est la meilleure chose pour lui sportivement. S'il reste sans blessure, s'il peut faire entraînement avec nous, il va grandir, il va améliorer, il va gagner capacité physiquement, et après il est vraiment une force pour nous. Absolument. Et c'est clair. J'ai dit beaucoup de fois. Maintenant, il est 21. C'est bien. Il a fait combien de buts? 40? Ah, peut-être 41. 39 points. Hein? Oui, ok. On espère qu'il va faire le 40e demain. Oui, là, toutes les choses peuvent arriver pour lui s'il reste sans plaisir. C'est bien. Bonjour Thomas, ici. Thomas Gonçalves, la chaîne L'Équipe. Pour rester sur Kylian Mbappé, on connaît son envie de vouloir participer au JO à Tokyo 2020. Mm-hmm. Vous, est-ce que vous en avez discuté ensemble? Et est-ce que vous, en tant qu'entraîneur, vous trouvez ça risqué de le laisser participer et à l'Euro et au JO? Mm-hmm. Oui, on doit parler de cette chose. On a attendu aujourd'hui cette chose-là. On a parlé déjà... Il y a quelques mois avec Kylian, mais je pense que c'est le plus important qu'il parle avec Leonardo, avec le club, et après on doit discuter ensemble et trouver une solution. Mais c'est pas entre moi et Kylian aujourd'hui ou dans ce moment. Bonjour Juan, Roger Leroy pour le Parisien. C'est le dernier match avant les vacances, j'imagine. Est-ce que vous commencez déjà à discuter des vacances dans le vestiaire un petit peu? Est-ce que vous, tout est déjà prêt et les bagages seront dans le coffre demain au Parc des Princes? Sí, la verdad que es el último partido, ya antes de las vacaciones. Las maletas todavía no están preparadas, las prepararemos hoy o mañana. Y bueno, con ganas de acabar de la mejor manera posible el año, con una victoria ante nuestra afición. Estamos preparados. Oui, demain c'est le dernier match. Non, les valises ne sont pas terminées. Je les finirai demain ou ce soir. Et bon, bah, on a tous envie de bien finir la saison, de finir cette première partie de saison sur une bonne note. Bonjour Juan, Benjamin Quarez, Goal.com. J'ai posé la même question au coach tout à l'heure, mais est-ce que vous pouvez me donner votre meilleur souvenir de l'année et votre pire souvenir avec le Paris Saint-Germain, s'il vous plaît? El mejor y peor recuerdo del año con el Paris Saint-Germain.
Bueno, yo creo que el mejor, yo creo que partido contra el Madrid, creo que fue un partido muy completo en casa. Y el peor quizá sea el partido contra el Madrid en el campo de Madrid. Yo creo que eso es lo mejor y lo peor. Je crois que mon meilleur moment pour moi, c'est le match de Madrid à domicile. Et le pire moment, le match de Madrid à Madrid. Bonjour, Juan Nicolas Payard, d'Info Sport Plus. De plus en plus, on a l'impression qu'on peut dire que vous êtes incontournable au sein de cette équipe. Est-ce que c'est votre avis? Et un petit mot également sur Mbappé. Est-ce que c'est l'un des plus grands joueurs que vous avez, avec qui vous avez joué au sein d'une équipe? Merci. Imprescindible. Yo. Sí. Y luego la pregunta sobre Kylian Mbappé, es uno de los mejores jugadores que has jugado, ¿o cómo ves? Bueno, me siento muy contento aquí, en París, en el PSG. La verdad es que las cosas me están yendo muy bien, pero bueno, tengo mucho margen de mejora y estoy trabajando para ello. Respecto a Kylian, sí, Kylian, todo el mundo lo conoce, ¿no? Recién hoy es su cumpleaños, le felicito desde aquí, luego lo felicitaré en persona. Un joven increíble, un grandísimo jugador, muy buen chico también. La verdad es que tiene un gran futuro y bueno, y de momento ya lo está demostrando. Hoy en día es un jugador que bueno, yo creo que va a marcar una época. Je suis très heureux d'être à Paris, je suis très heureux d'être au PSG et pour l'instant tout va très bien. Donc il y a encore une marge de progression et je vais tout faire pour justement progresser. En tout cas, je me donne tous les moyens pour cela et je continue à travailler. Et puis en ce qui concerne Kylian Mbappé, c'est son anniversaire aujourd'hui, donc je le félicite d'ici, je le féliciterai personnellement tout à l'heure. Et bon, on le connaît tous, hein, c'est un grand joueur déjà, c'est aussi une grande personne, et je pense qu'il a évidemment beaucoup, beaucoup d'avenir, et je pense que c'est un joueur qui va marquer son époque. Juan, bonjour, Arnaud Herman, l'équipe. Il y a une polémique, un peu, bon, je pense que c'est une polémique, mais on dit qu'il y a beaucoup de matchs que les joueurs jouent trop. Est-ce que vous, justement, en tant qu'acteur, en tant que joueur, vous trouvez que vous jouez trop de matchs dans une saison? ¿Juego muchos partidos? Sí, que si hay demasiados partidos. Se dice, hay un debate, si hay demasiados partidos, si tú como jugador consideras que jugáis demasiados partidos. Bueno, la competición es así, está hecha así, son muchos partidos, pero bueno, todas las ligas son así, creo, ¿no? Nosotros aquí tenemos dos copas, pero bueno, es un partido solo. No sé qué decir, la verdad que son muchos partidos, pero bueno, hay que estar preparados bien físicamente para, bueno, para poder jugar todos los partidos. Oui, il y a beaucoup de matchs, mais c'est les compétitions qui veulent ça, hein. Il y a beaucoup de matchs. C'est pareil dans tous les championnats. Ici, en particulier, on joue deux coupes. En plus, bon, sur un seul match, mais il y a deux coupes. C'est comme ça. C'est comme ça. Il faut être prêt. Il faut bien se préparer physiquement pour pouvoir affronter tous ces rendez-vous. Acá Morena Beltrán para ESPN Argentina. Probablemente te hago una pregunta un poco atemporal, porque bueno, nosotros estamos desde allá. Más o menos que nos cuentes un poco, te quería preguntar más que nada, tienen, quizás su juego se destaca un poco por la versatilidad que tienen, pueden defender con 3, con 4, pueden jugar de carrilero, de lateral, después también los delanteros tienen muchas libertades, Neymar, Di María, Mbappé, que nos cuentes un poco la premisa del entrenador, cuál es la idea general para que el equipo funcione, y después hablabas de buenos y de malos rendimientos, ¿qué crees que es lo que le falta por ahí al equipo para competir con más regularidad y dar ese salto en la Champions, ¿no? Que quizás es el objetivo. Bueno, sí, ESPN en Argentina. Ma question va peut-être arrive peut-être un peu à contre-temps, puisqu'on est loin, en Argentine. Une des caractéristiques principales de cette équipe, c'est la capacité à s'adapter en permanence. On peut jouer à 4 derrière, à 3, avec des hommes de couloir, et vous en particulier. Pareil pour les attaquants, Neymar, Mbappé, ils ont beaucoup de liberté, ils bougent beaucoup, ils changent beaucoup. Quel est le postulat de départ du coach? Quelle est son approche de départ? Et puis, qu'est-ce qui manquerait peut-être à cette équipe pour combler ce petit déficit de régularité que l'on voit parfois? Sí, somos un equipo que, bueno, podemos tener la posesión del balón, podemos jugar contraataque, tenemos jugadores muy rápidos arriba, jugadores que individualmente son muy, muy buenos, de los mejores del mundo, eso nos ayuda mucho. Luego, para lo que intentamos trabajar es conseguir ser regulares todos los partidos, sea la competición que sea, sea la Champions, la Copa, la Liga, y bueno, trabajamos para eso. El míster, pues, como tú has dicho, también da mucha libertad a los jugadores, sobre todo de arriba, ¿no? Porque tienen mucha calidad y pueden hacer lo que quieran. Es verdad que juegan mucho por dentro, para los carrileros nos ayuda para atacar por fuera. Y la verdad es que, bueno, yo creo que somos un equipo bastante completo.
Oui, c'est vrai qu'on peut, on peut jouer un jeu de possession, on peut jouer en contre-attaque, on a des joueurs extrêmement rapides devant, on a des attaquants qui sont parmi les meilleurs joueurs du monde, évidemment ça, ça aide beaucoup. Je pense ensuite en effet qu'il faut qu'on progresse en, en régularité, qu'on soit capable d'aborder les matchs, de jouer tous les matchs au même niveau, que ce soit en Ligue des Champions, en Coupe ou en Championnat. Et le coach qui demande, c'est ça justement, de la civilité. Et puis il donne aussi beaucoup de liberté, ce qui nous permet de varier beaucoup notre, notre jeu, notamment aux attaquants qui sont capables de libérer un couloir pour que quelqu'un de derrière le prenne. Beaucoup de variété, beaucoup de liberté, c'est ça la caractéristique. Bonjour, Thomas Gonçalves, la chaîne L'Équipe. Pour revenir sur Kylian Mbappé, il a déclaré qu'il avait envie de participer aux JO de 2020. Est-ce que vous, en tant que joueur, si vous aviez été à sa place et que vous aviez eu la possibilité, est-ce que vous auriez aimé faire et l'Euro et les JO 2020? Kylian Mbappé a déclaré hace poco que iba a jugar también los Olímpicos de 2020. Tú, si hubieras podido, si pudieras, lo harías, eso es jugar tanto la Eurocopa como después los Juegos Olímpicos. El mismo verano. Sí, no tendría ningún problema al final. Bueno, no es una decisión mía, es el seleccionador, pero si fuera por mí, encantado. Oui, je pense pas que ça pose problème, c'est pas ma décision, c'est celle de, du sélectionneur, mais si ça ne tenait qu'à moi, j'en serais ravi, oui. Bonjour. Un de mes collègues disait tout à l'heure que vous aviez pris une place très importante dans l'effectif du PSG. On sait qu'en arrivant de Munich, vous aviez connu de beaucoup de blessures, notamment musculaires. Comment vous avez réglé ce problème pour être prêt et disponible en permanence ou quasiment? Un compañero mío decía antes que te has vuelto muy importante en esta plantilla. Recuerdo que volviendo de, bueno, llegando de Múnich tenía problemas de lesiones, especialmente musculares. ¿Cómo se acabó resolviendo ese tema? Bueno, sí, yo tuve problemas musculares cuando tuve la operación del tobillo. A raíz de eso me vinieron muchos problemas. Cuando ya, bueno, estuve durante un año con problemas por culpa de eso. Cuando superé eso ya, normalmente yo nunca he tenido problemas musculares y bueno, en estos dos años, bueno, este año y medio que llevo aquí, no tiene ningún problema y la verdad que bueno, espero que siga así. Oui, c'est vrai que j'ai eu des pépins musculaires, des blessures musculaires. C'était suite à mon opération de la cheville. C'est à partir de là que j'ai eu ces soucis musculaires. Ça a duré un an quand même. Mais une fois que ça a été surmonté, je n'ai pas eu plus de problèmes que ça. Avant ça, et d'ordinaire, j'ai pas de problèmes musculaires. Et là, donc, ça fait un an et demi et j'ai pas eu de nouveaux problèmes. Donc, j'espère que ça va durer. Juan, qu'est-ce que vous pensez du tirage au sort de Dortmund et le fait de voir que d'autres grosses équipes s'affrontent? Est-ce que ça peut être une bonne opportunité pour le PSG d'aller plus loin dans cette compétition? Merci. El sorteo de la Champions, de Dortmund y el hecho de que los demás se crujan, ¿no? Ya los demás grandes se crujan, eso puede ser una suerte con el París, pero un poco más lejos. Bueno, respecto al Dortmund, creo que es un gran equipo, un equipo muy peligroso, con buenos jugadores arriba, lo está demostrando que en los partidos de Champions lo ha demostrado también, no va a ser un partido fácil para nada. Y respecto a los otros cruces, sí que es verdad que hay muy grandes partidos, que bueno, que pueden quedar fuera equipos importantes, pero al final esto es la Champions y te toque el que te toque es siempre difícil y bueno, y queremos este año, bueno, llegar muy lejos. Oui, Dortmund d'abord c'est une grande équipe, c'est une très bonne équipe, ils ont de très bons attaquants, on l'a vu, on le voit dans le championnat, on l'a vu également en Ligue des Champions. Et puis en ce qui concerne le tirage au sort et les autres rencontres, alors c'est vrai qu'il y a des grosses affiches et c'est vrai aussi qu'il y a des grosses équipes du coup qui vont tomber. Qui peuvent sortir, mais enfin, la Ligue des Champions, de toute manière, il faut battre tout le monde pour aller loin, donc c'est ce qu'on va s'efforcer de faire. Merci.